Bonjour, je suis Riyad Salem, je suis membre de l'équipe de France de rugby fauteuil. Je suis dans le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Mon parcours, c'est j'ai d'abord été en équipe de France de natation, je suis un peu atypique dans le milieu du sport. Donc j'ai eu plusieurs titres de champion de France, à peu près 15 ou 16, des titres de champion d'Europe, et aussi un record du monde en natation. Et en basket, pareil, plusieurs titres de champion de France, 3 titres de champion d'Europe, 3 participations aux Jeux paralympiques. Et au rugby, pareil, plusieurs titres de champion de France, de Coupe de France, et 3 titres de champion d'Europe, et 3 participations aux Jeux paralympiques. Dans le comité d'organisation, c'est le CA. Donc on voit un petit peu tous les grands projets qui sont mis en place, on vote les budgets, les orientations, les grandes thématiques qu'on va, les problématiques qu'il peut y avoir, des choix aussi budgétaires, voilà, tout ça, ça fait partie du comité d'organisation. Et chacun prend la parole avec toutes les instances qui sont présentes dans ce comité pour faire valoir un petit peu aussi les intérêts des territoires, les intérêts des Paralympiques, les intérêts de chacun pour que personne ne soit oublié dans cette belle fête. Moi, je suis athlète. Donc je suis encore sportif de haut niveau et après je suis déjà pas mal engagé dans des grands projets de Paris 2024 comme ESS 2024 qui s'occupe de tout ce qui va être l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire. Après je suis dans Génération 2024 avec l'éducation nationale pour les étudiants, pour laisser un héritage aux scolaires et on est très fiers parce que cette année c'est la grande cause nationale. Et le sport fait partie de l'école aujourd'hui avec ces fameux 30 minutes d'activité physique. Donc voilà, et après j'ai un petit, on va dire, un petit faible sur l'accessibilité universelle. Ne pas oublier évidemment le sujet du handicap en espérant que les Jeux vont permettre d'ouvrir les yeux sur cette accessibilité pour tous. Là, pour ma pré-retraite, je suis au rugby, donc j'ai fait natation, basket. Et rugby. Je fais les prolongations pour finir en beauté à la maison pour les Jeux de 2024.